Le top. Le top France Bleu, l'actu, Éric Bastien. C'est vrai que c'est un événement musical, le retour de Lara Fabian, une nouvelle chanson que l'on va découvrir ce soir et un nouvel album qui sortira le 6 novembre. Lara est avec nous et c'est du plaisir. Bonsoir Lara Fabian. Bonsoir Éric. Merci d'être avec nous. À vous. Comment ça va Lara ? Bien, très bien et vous ? Ça va super, c'est toujours un bonheur d'être là. Lara, 20 ans de succès, que des tubes, une renommée internationale. Je le rappelle, 20 millions d'albums vendus, c'est vertigineux. Oui, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai... Non, mais c'est, quand je lis ça, c'est, vous le prenez comment ? Il y a un recul par rapport à ça ? Ou il y a un détachement ? Moi, ou... je le prends avec une immense gratitude. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne, le matin, je me lève et je fais merci, merci, merci. Alors, merci l'univers, merci mon Dieu, merci ce qu'on veut. Moi, c'est, voilà, j'ai une sensation de grande chance. Voilà, moi, je viens d'un milieu tout à fait modeste. Mes parents étaient des musiciens par amour et pas parce qu'ils étaient branchés ou ils avaient du succès ou ils étaient dans le métier du tout. Donc, je me suis vraiment faite toute seule, accompagnée de gens extraordinaires. Donc il n'y a pas que la chance si on se fait tout seul, il y a aussi efficacité, talent, bien détermination. Bien sûr, dévotion, une passion réelle pour ce qu'on fait, toujours préserver la joie, hyper important. Et puis voilà, et puis un public. Ce qu'il y a surtout, et ce que j'aimerais dire, c'est que tout ça se fait dans le temps, sur 18 ans maintenant que j'existe, enfin ça fait 25 ans que je fais ce métier, mais 18 ans que ça vraiment que j'existe au sens d'un succès. Mais c'est pas tellement juste au sens d'un succès, c'est au sens d'une sorte de durabilité. Voilà, c'est que je suis restée dans le temps. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, je le dois aux gens. Parce que ça, c'est eux qui le choisissent. C'est pas l'artiste qui choisit de rester dans le temps. Il ne reste. Voilà, c'est le public. Donc, pourquoi, comment, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai énormément de gratitude pour les gens qui, de partout dans le monde, me suivent et me soutiennent. À bout de mon rêve, je vais crier. On t'aime, hein. Et vous le disent, hein. On t'aime, Lara Fabian, je t'aime en live. On est en 1997, premier gros succès. Lara Fabian, notre invitée ce soir sur France Bleu. Et votre actu, Lara, c'est la sortie d'une nouvelle chanson. Alors, elle est sortie il y a quelques jours, hein, c'était le 15 juin. Et la sortie annoncée enfin d'un nouvel album. Il verra le jour en novembre. Le précédent, Lara, je ne me trompe pas, c'était il y a 2 ans, je crois. Hein. 2 ans, exactement. C'est long, c'est court pour écrire un album, pour préparer un album ? Tout dépend de l'énergie et de ce qui se passe en studio. Puis tout dépend des autres activités en parallèle. Moi, je suis partie en tournée aussi. Un petit peu aux États-Unis, entre autres. Autour du monde, oui, un peu partout. Et puis voilà, et puis j'ai fait cette rencontre extraordinaire avec David Gattegno et l'ODM. On s'est assis, 2 filles, un garçon, et on s'est mis à... C'est des gens avec qui vous n'aviez jamais véritablement travaillé. Vous insistez sur cette notion d'équipe, en fait. Oui, vraiment, parce qu'elle est réelle, parce que ça a été énormément de partage, de légèreté, de fou rire. Mais qu'est-ce qu'on s'est poilé ? Ça a été exceptionnel de légèreté. Et je crois que dans cet album, ça se sent. Ça se sent. On a voulu s'adresser aux gens au travers de la joie qu'on ressent. Quand pour la première fois, on redécouvre l'amour de faire de la musique. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais. Un mot sur cette nouvelle chanson, Lara Fabian. Quand je ne chante pas, on parle d'école, vous parlez d'enfants, vous dites quand je ne chante pas, je suis une femme, une épouse, finalement quelqu'un de normal. Vous en doutiez, Lara Fabian ? Non, pas du tout. C'est peut-être les autres qui le savent pas forcément. Donc c'est vrai que des fois c'est bien de pouvoir l'échanger, tiens, parce que souvent vous savez, on vous fait les demandes classiques. Tu fais tes courses ? Bah oui. Ah bon ? Et tu cuisines aussi ? Bah oui, il faut bien, quand on a une gamine qui a 7 ans, il faut cuisiner. Enfin, ou alors faut que le mec il le fasse. Mais il faut qu'il y en ait un des deux, en tout cas, qui au quotidien soit là pour tout ce qui est le plus simple et à la fois le plus magique. Enfin, moi, je trouve ça magique de vivre un quotidien avec ma fille, avec mon mari, avec ma famille. D'autres actualités avec vous, Lara Fabian. L'album France Bleu, les stars font leur cinéma qui reprend les bandes originales des films cultes des années 80, 90. Il y a de nombreux artistes, hein, qui sont dans cet album. Vous êtes dedans.
ans, avec une reprise d'Unchained Melody. C'est le film Ghost. On a tous eu envie de faire de la poterie à un moment donné, évidemment. c'est vous qui avez choisi déjà ce titre ? Oui, en fait, c'est David aussi qui l'a produit sur cet album de Warner. Et oui, on en a parlé. Il me dit ça te tente. Je dis ah, oui, j'aime bien, c'est une belle idée. Et puis on en a, voilà. Et puis on est parti sur un arrangement vraiment différent de celui de base. Et puis on s'est encore une fois, on s'est vraiment amusé avec ça. Unchained Melody dans cet album, les stars font leur cinéma. Un dernier mot avec vous, Lara, c'est quoi le planning dans les prochaines semaines et pour l'été ? C'est ce qu'on fait là, vous et moi, de façon régulière. Ouais. Vous y prenez du plaisir aux interviews ou ça reste un jeu ? C'est quoi votre rapport aux radios, aux télé justement ? Ben vous êtes mes petits wagonnets vers les gens. Donc voilà, vous êtes super important pour les artistes de faire une interview. En plus, quand c'est avec quelqu'un de bienveillant, c'est quand même super. Je le suis. Absolument. Tout ça pour ça que je le dis. Donc c'est agréable, ça nous mène aux gens. Ouais. Et puis derrière nos micros à tous les deux, il y a ceux qui vont décider en fait de ce qui se passe pour la suite. Donc moi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça chouette de faire ça. Donc tout au long de l'été, voilà, vous allez être dans les promos, vous allez vous reposer aussi un petit peu, prendre du temps. Voilà, je vais partir aussi un petit peu en vacances avec ma famille. Et puis à septembre, octobre, ça va être vite là. Novembre, le 6 novembre, donc le nouvel album de Lara Fabian, tournée, j'imagine, des dates dans en la mars, forêt. En mars, à partir mars de mars. 2016. Ouais, mars et mai, voilà, entre mars et mai, on va à nouveau... France, Belgique. France, Belgique, Suisse, tout à fait, on va commencer par ça. Ouais. Bon, tout va bien, vous êtes heureuse. Oui, je vais bien, je vais très très bien. Merci voilà. Lara Fabian. C'est moi qui vous remercie. Speed you.